Piano à l'école de musique de Brignais, et voilà ce que ça donne. Pas mal hein, pour débuter cette émission. Tout peut arriver avec nous, Lenny Scudero. Bienvenue à Lyon, bienvenue sur TLM. Merci. Vous êtes ce soir en concert à Saint-Genis-Laval, c'est pas très loin de Brignais. Lenny Scudero ce soir en concert à Lyon pour une série de chansons qui regroupe toutes les chansons de votre répertoire. Oh non, pas toutes. Pas toutes. Non, non. Une sélection a été faite d'une. Oui, enfin une sélection qui s'est faite comme ça au fil des ans. Hein. C'est une sélection, j'ai dit oui, il faut faire un choix. Je peux pas chanter 160 chansons. J'ai peut-être écrit 160 chansons, je ne sais pas exactement combien. Vous en avez pris du début ou vous avez pris les dernières? Oui, il y a tout, il y a, tout. Y a toutes les époques. Oui. Est-ce que c'est dur de faire une sélection justement pour une soirée? Quel est le critère? Les chansons, non. Quoi, Balade à Sylvie, Mal y pense, Pour une amourette, La vérité, Ma non, ville. Il n'y a pas un critère établi. Je veux dire, bon, ça reste arbitraire. Il y a toujours quelques regrets pour celle-là ou celle-là parce que je ne peux pas les chanter toutes. Mais bon, ça, de ce côté-là, ça se passe assez bien. C'est pas, il n'y a pas de quoi se triturer la tête à ce point-là. Vous avez appris jeune un instrument de musique, Fabrice à 10 ans par exemple? Je ne joue d'aucun instrument de musique. Vous n'avez appris jamais aucun instrument de musique? Non, non, la musique, vous ne l'avez pas apprise? Ouais. Elle s'est arrivée tout seul Non, je ne connais pas la musique. Les mélodies, je les ai faites comme ça, quoi, dans directement les chantant. Mais sans instrument et sans connaître la musique. Et comment s'est passé le travail avec les musiciens, justement, quand on ne connaît pas la musique? De la même façon que quelqu'un qui écrit un bouquin en français qui fait traduire en anglais. Oui, c'est un travail, je dirais, que je connais pas. Vous pouvez le chanter, mais vous pouvez pas l'écrire. Mais c'est dans ma tête que ça chante, je lui chante, et lui, il sait que ça, c'est telle note, c'est comme la connaissance d'une langue, quoi. J'ai pas eu l'occasion d'apprendre, c'est tout, mais si demain j'écrivais un bouquin qui soit traduit en anglais, ça resterait mon bouquin quand même. On peut vous rencontrer ce soir à Saint-Genis-Laval, c'est à 21h, salle d'assemblée des Basses-Barolles. Vous connaissez bien Lyon? Pas trop mal, oui. Vous avez quelques souvenirs qui reviennent? J'en ai plein de Lyon. Un souvenir à Lyon, malgré tout. Parmi tous les souvenirs que vous avez, un lieu que vous aimez par-dessus tout Ah, bah, ce que j'aime par-dessus tout, c'est le vieux quartier de Saint-Jean. Lyon. Ah ouais. Vous allez vous balader à Saint-Jean? Ah oui, ça je connais bien en plus. J'avais des potes qui vivaient dans le vieux Saint-Jean. J'adore ce quartier de Lyon. Puis j'aime assez Lyon, parce que bon, de toute façon j'aime bien la ville. Ça tombe bien. Lyon est une énorme ville, c'est pas Belleville, c'est pas Paris, mais c'est quand même une ville intéressante. Mais Belleville, c'était pas Paris non plus. Hein. Belleville, c'était Belleville. On va faire le tour des manifestations du week-end. Alors, vous savez qu'on a dans le public, ouais, le sosie de Serge Gainsbourg. Non, au départ, non, je crois que c'était relativement naturel. La ressemblance, on n'y peut rien. On est comme ça, on est comme ça. Lenny Scudero, est-ce que vous pensez qu'il ressemble à Gainsbourg un petit peu, ou... Si lui veut ressembler à Gainsbourg, il ressemblera à Gainsbourg. S'il veut pas, mais comment ça vous il y en a plus dans le regard que... Ouais. C'est pas tellement... je crois que c'était surtout un hasard au départ. Arrête alors. Et puis ce soir, n'oubliez pas, 21h à Saint-Genis-Laval, salle d'emblée des Basses-Paroles. Une très longue carrière depuis 1962. Qu'est-ce qui fait que... Non, ça n'a pas commencé en 62. En 62, c'est le premier disque. Oui, ça a commencé même avant. Ouais, mais les années de galère d'avant, c'est pas pour rien. Ça fait partie en plus. Mais qu'est-ce qui vous fait que vous êtes toujours bien là, les gens vous apprécient toujours, vous êtes toujours jeune dans votre apparence. Parce qu'il n'y a pas de justice, c'est pour ça. Comment vous regardez le monde d'aujourd'hui? Quelle est votre analyse? Parce que tout à l'heure, sur l'actualité, on a parlé des licenciements. Très vite comme ça, là. À RVI, vous très avez... vite comme ça. Oui. Ben, je vais vous dire, j'ai honte du monde que je vais laisser à mes petits-enfants. Aujourd'hui, c'est la réflexion, ah oui. C'est pas du tout positif. Oui, hein. Ah non, pas du tout, non. C'est même entièrement négatif. Je me rappelle mes souvenirs d'enfance, quand j'étais môme, mon instituteur, alors que bon, je suis un gosse de la laïque, hein, j'étais un cul rouge,
qui servait quand même d'un dogme de l'Église pour nous dire il te faudra gagner ton pain, la sueur de ton front. Mais il ajoutait toujours, mais bientôt, un jour, le progrès viendra libérer l'homme de toutes les tâches ingrates, etc. Le progrès, il est arrivé pour les virer, les hommes. Aujourd'hui, on peut jeter du blé sur cette table, et avec les techniques qu'on possède, on fait pousser le blé. Il y a des gens qui ont faim dans ce pays alors qu'on jette du manger, et je vais laisser ce monde-là à mes petits-enfants, oui, j'ai honte. Dans un monde où on sait faire qu'il y a encore des gens qui aient faim, je trouve ça dégueulasse. Dégueulasse. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais j'ai eu des discussions, une fois dans le train, par hasard, il se trouve que j'ai discuté avec deux personnes qui étaient des économistes, et quand je leur ai parlé de cette espèce de spirale infernale du progrès qui n'étant pas partagé, nous amenait obligatoirement à débaucher malgré tous les termes et nouveaux termes de vocabulaire qu'ils emploient pour ne jamais dire qu'ils débauchent, m'ont dit également à la fin, dit mais qu'est-ce qu'on peut faire? Je me dis, mais c'est ton boulot, pas le mien. C'est lui qui se prétend économiste, c'est lui qui prétend diriger la cité. Moi, je n'ai jamais demandé les suffrages de mes concitoyens. Il y a des gens qui prétendent pouvoir diriger la cité, alors qu'ils le fassent. Quand vous dites ça, on dit que vous êtes un révolté. Mais merde, il y a de quoi être révolté, non? Des gens ont faim dans un pays, dans un monde même où on sait tout faire. On réunit la plus formidable armada du monde en quelques semaines pour la guerre du Golfe. 8 jours après, il y a une épidémie de choléra qui commence au Pérou. On n'arrive pas à trouver un B-52, le remplir de vaccins pour arrêter cette épidémie. Mais qu'est-ce que c'est que ce monde? Oui, je suis écœuré, oui, je suis révolté. Et parmi les choses, je dirais positives, est-ce qu'il y a des choses positives? Est-ce qu'il y a des choses qui... Mais ce qui est positif, c'est le progrès. Ce qui n'est pas positif, c'est qu'il est mal partagé. Évidemment que je suis pour le progrès. Mais ce B-52 qui était fabriqué pour lancer des bombes, si on y avait mis des vaccins, hein, en quelques heures, il est au Pérou, on arrête l'épidémie, alors que l'épidémie continue toujours. Mais évidemment, ils n'ont pas les moyens d'acheter les vaccins. Alors, on préfère jeter plutôt que de casser le marché, comme ils disent. Mais qui sont-ils? Ils se sont tellement mis au bord du trou, maintenant ce sont des structures. Qu'est-ce que vous répondez? Parce que j'imagine que vous aimez dialoguer avec ces gens-là, vous voulez faire avancer. C'est pas être révolté pour être révolté, mais à partir du moment où ils ne veulent pas toucher aux structures, au sacré saint vaudou du pognon, parce que tout le problème, il est là. Il y a une équation qui disait le temps c'est de l'argent. Mais on a toujours privilégié l'argent par rapport au temps. Alors qu'est-ce qu'il y a de plus important que le temps de vie? Pour un être humain, qu'est-ce qu'il y a de plus important que le temps de vie? L'oseille, c'est plus important. J'ai jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard. Alors, et c'est ça qui est le roi, qui domine tout. Des gens ont faim simplement parce qu'ils n'ont pas pour acheter. Il y en a plein les vitrines, il y en a plein les silos. Est-ce que sur la scène, vous avez un dialogue avec les spectateurs? Non, je suis pas... Non. Je veux dire, je ne suis ni un... Je suis pas un prêcheur. Là, vous me posez une question à Eleni Escudero, je suis un citoyen comme les autres aussi. Bon, alors je dis, vous me demandez ce que je pense de ce monde, c'est un monde de merde. Voilà. On pourrait tout faire, on a tout, absolument tout, et des gens ont faim, je trouve ça absolument insupportable. Eleni Escudero, donc ce soir à Saint-Gilles-Laval, donc voilà, on va la rappeler, salle d'emblée des basses-barres, au moins vous parlez naturellement, hein, vous pouvez exposer votre point de vue même sur TLM. On était tout à l'heure à Saint-Gilles-Laval avec vous ce soir, Eleni Escudero, on va juste à côté, c'est à Brignais, avec l'école de musique de Brignais. C'est pas facile d'apprendre la musique. Hein. Non. Est-ce que vous trouvez ça beau? Est-ce que c'est positif de voir des enfants qui apprennent la musique? Ah oui. C'est merveilleux. Donc c'est un peu, je dirais, à l'inverse que vous dites tout à l'heure, il y a quand même des choses qui se passent, la vie quotidienne peut être belle. À l'inverse. Je ne vais pas parler de vous donner tout le détail, tout n'est pas entièrement négatif, les enterrements marchent bien aussi. Hein? Non, évidemment, ça c'est merveilleux. Et puis de toute façon, les mômes, je suis toujours attendri par les mômes. Enfin bon. Michel Thierry, prenez le micro, tiens donc, c'est le maire de Brignais. Donc quand est-ce que vous nous faites une école quoi? Attendez, j'ai envie de réagir en 10 secondes sur Eleni tout à l'heure. Je partage tout à fait son point de vue. Eleni, je suis le maire d'une commune et conseiller général. Je veux dire, vous l'avez dit dans des mots très brutaux, mais vous avez tout à fait raison de nous ou d'interpeller tout le monde. J'ai un message d'espoir à vous donner, il est dans la salle. Nous avons l'adjoint au maire de Saint-Gilles-Laval, Jean-Luc Borel, et sa communication. Et Saint-Gilles-Laval vous dira ce soir, vous l'entendrez. Vous entendrez Saint-Gilles-Laval, il vous dira qu'il y a un petit garçon qui s'appelle Guillaume, qui atteint de la leucémie, et que c'est toute la ville qui s'est remuée, qui s'est mobilisée pour lui. Ils vous en parleront, vous verrez. Pour revenir à l'école, oui, Régis a raison, ils sont à l'étroit, nous allons revenir provisoirement en milieu scolaire, et puis après, pourquoi pas?
Ah bon, ça fait partie quand même des projets. Oui, oui, ça fait partie des projets. Pour que l'école soit, soit chez elle. Tout à fait. Bon, vous êtes vice-président du Conseil Général, c'est un élu qui est en face de vous, un élu local, hein, parce que les élus locaux sont les élus les plus importants. Je ne doutais pas de l'homme tout à l'heure. Tout à fait. Je parlais de certaines structures dont ils n'arrivent pas eux-mêmes à se débarrasser. Nous partageons ce point de vue. Ah, un discours un peu improvisé, c'est normal. Hein. Tout peut arriver. C'est le titre de l'émission. Amélie Heller. Ça vous a vraiment jamais rien dit d'apprendre un instrument. Vous êtes... Si, sûrement. Ouais. Vous avez un piano, vous n'avez pas... C'est-à-dire, étant homme, j'ai pas eu l'occasion, puis après... D'ailleurs, on me l'a déconseillé. Parce que ça venait là naturellement, c'est pour ça. Non, on me l'a déconseillé en me disant que j'aurais beaucoup de mal à apprendre suffisamment pour pouvoir oublier les règles, pour redevenir libre comme je l'étais, quoi. Est-ce que vous pouvez donner quelques chansons que vous avez chantées ce soir? Des titres? Des titres, oui. Pour que ça évoque beaucoup de souvenirs parmi nos téléspectateurs. Bon, je vais chanter. Alors, dans les je chanterai pour une amourette, oui. Je sais pas, je chantais La Grande Farce, Fils d'Assassin, Le Cancre, Barriocino, Pauvre Diable, La Moitié de Ton Âme. Donc ce soir, donc à Saint-Génaval, à la salle d'assemblée des Basses-Barolles, est-ce que vous avez des projets d'écriture, vous avez des projets nouvel album un nouvel album, il y en a un qui sort là, aujourd'hui ou demain. Ah ben, très bien. Ou hier. Ben, dès qu'on le recevra, on en parlera sur TLM. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres, Lenny Escudero. Donc rendez-vous à Saint-Génaval.